Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Far Cry 5. Donc on va parler au veto. Beaucoup de succès ces derniers temps. D'accord. Mais là, ça va tout changer. Je dois seulement faire des tests pour m'assurer que ça marche. Je vais m'en occuper. On voit ces anges cueillir les fleurs de grâce dans une ferme près d'ici. D'accord. C'est là qu'il faut aller. Au fait, ces monstres ont facilement peur. Allez-y discrètement. Placez l'appât et mettez-vous à l'abri. D'accord. À 75% que ma formule est correcte. C'était pas 95% dans l'épisode précédent ? Parce que si finalement c'est 55% quand j'arrive, puis 35% quand je commence, on va pas être copains toi et moi, bonhomme. En vouloir te vexer. Wouah ! La patate chaude ! Hop, c'est bon. C'est parti. On y va, rejoignez la ferme. La ferme des célébrités ? Hop ! Léger petit détour. Hop. Salut. Marcus. Et j'ai de la dynamite. Boum kaboum. Ma gueule là. Voilà, je préfère. Alors. Je vois pas trop ce que je dois faire. Est-ce que je dois jeter l'appât? Est-ce que je dois buter le snipe avec une perle? La pelle de l'amitié! Pelle de l'amitié. J'ai peur qu'il ne soit pas seul. L'appel de l'amitié. Ouh, Earth Today. Tétra, 8 coins de chasse découverts. Wouah. On va essayer de lancer un caillou avec T. Allez, j'imagine qu'il va pas se faire avoir trois fois. Hein. Appel de l'amitié. Pendant un instant, je croyais qu'on se regardait, bref, qu'il me regardait, tout ça, vous voyez. Apparemment, non. Ça pouvait être une idée aussi, ça, tiens. Crac. Rejoins ton pote. Il parle avec quelqu'un ou... Je vais rester là, je vais attendre qu'il passe. Oui, il revient. L'appel de l'amitié. L'appel de l'amitié. L'appel de l'amitié. Placez l'appât sur la table. Et... Ok. Atteignez le toit de l'abri. Certes. Hop, c'est bon. Officier, mauvaise nouvelle. Je suis quasiment sûr d'avoir ajouté l'adrénochrome à l'appât. Seulement voilà, j'en ai une fiole remplie sous les yeux. Du coup, j'ai un gros doute. J'ignore à quel point ça affectera le résultat. Tant que vous n'avez pas placé l'appât, on peut réfléchir à un nouveau plan. Laissez-moi une petite seconde.
Savez quoi? J'ai acheté ça exprès pour. Hop là. C'est bon. Oh les filles. Meurs. Voilà. Peau de moufette. On a la quantité qu'il faut. Oh, il est encore là. Il m'aura pas. Sale moufette. Mais non. Mais non, mais non. Rassemblez trois peaux de grizzly intactes. Mais tu te fous de ma... Alors, essayons quelque chose. Bidoche. Un ours. What? Mais où le dindon? Wouah, j'ai gagné 2 points pour dépecer une dinde. Ok. Tu la sens, l'appel de l'amitié, le Klebs. Hop. Bon, par contre, je suis sérieusement en train de me demander où est-ce que je vais aller choper du grizzly, parce que là, j'en trouve plus. J'en ai trouvé un paquet, je ne sais pas comment, combien. J'ai tout vendu comme un couillon. Ensuite, j'ai eu cette quête-là et je m'attendais pas à ça. Donc, j'ai pas envie d'aller voir sur le net. Donc, passage à autre chose, je pense. Passage à autre chose. Autre mission, Enben River. Voilà, ici, avec un peu de bol, on tombera sur un ennemi scripté, entre guillemets. On arrivera à le faire. Le calvaire, c'est ce qu'on devait faire dans l'épisode précédent en plus, hein, à la base. Dégage! Allez! Voilà, je voulais faire les choses bien. Rejoignez le calvaire! Pour la délivrance des gens! On va faire 2 fois la même connerie. Je vais pas y aller en mode John Rambo, je vais y aller en mode je vais un peu plus loin. Et j'y vais Ah si, justement, j'y vais en John Rambo. Tout à fait ça, j'y vais en John Rambo. On ne croit pas qu'il s'agissait de rumeurs. Un groupe d'éclaireurs vient de me contacter. Une prêtresse a l'air de venir dans ta direction. C'est pas une coïncidence. T'auras que quelques minutes pour sécuriser la zone. Fais gaffe là-bas. Ils ont sûrement des otages. Bon. Bon, je pensais que ça marcherait, mais non. Hop là. Ah bon. La première fois, ça a marché mieux que ça. Hein. Je vais pas te le cacher. C'est beau, n'est-ce pas? C'est la puissance transformatrice de la foi. Les pauvres âmes en proie au doute viennent ici pour trouver la lumière. C'est magnifique, pas vrai? Ok, d'accord, en fait ça enclenche le truc une fois, ça sort le flingue, il faut que je retire une nouvelle fois. Hop là.
Hop là, c'était joli. C'était joli. C'est tellement beau. Où il est l'autre? Oui. Putain, où il est? Où il est? Ou alors il est dans le truc en dessous, vraiment dans le sous-sol presque. Je peux pas crever. Voilà, sécuriser la zone, c'est fait. Piéger la prêtresse, c'est parti. Piéger, piéger. J'espère que t'es prêt, gamin. Si on s'est pas planté, la prêtresse devrait pas tarder à arriver. Voilà qui devrait le faire. Tu es la prêtresse de la secte. Hop là. Voilà qui devrait être bon. Voilà, ça c'est fait. Sauver les otages restants. C'est-à-dire tous, c'est ça que tu es en train de me dire. Voilà. Voilà. Deux. Vous êtes libre. Je dirais même plus que vous êtes libéré, délivré. Voilà. Otage libéré, il doit en rester encore. Non, c'est bon? Cool. Non, j'en ai pas chié, c'est faux. Ouais, pareil. Bien. Cool. Merci. C'est gentil, j'en prie. Wouah, on est trop balèze. Je tenais à être le premier à te remercier. T'as réussi à retrouver tous nos disparus. Servir et protéger, mission principale. Merde. Les humaines recrues, c'était pas rien ce que t'as fait. Super boulot, officier. Merci. Ah, c'est gentil. Je me sens balèze. Servir et protéger, cool. Wouah, Ara du cul, t'as qu'à mater les fesses. Ara du cul, t'as qu'à mater les fesses. Dupe-moi deux fois. Merde, c'est con, il y avait sans doute quelque chose d'intéressant à faire ici. Aucun de nous n'est parfait. Nous commettons tous des erreurs. Moi y compris. C'est explosif. Désolé. Naïvement. Aïe. J'ai été débile. C'était quoi? Honnêtement, je savais pas ce que c'était comme bestiole. Hop là! À plusieurs reprises. Arrête de me parler, ça me fout les boules! Voilà! 75 de plus, c'est pas suffisant. Ah! On la tient, chers amis. On la tient par les fesses, je dirais même. Hop. Il y a encore ça qu'on n'a pas fait. On organise au camping un barbecue surprise pour ces enfoirés de la secte. Ça me plaît, cette histoire. Je veux venir. S'il y a un barbecue, je veux être invité. C'est parti. En tout cas, nous les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir. En tout cas, c'était Marcus Benus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures et on va continuer. Je vais enchaîner pour le troisième épisode de cette session. Salut les gens et yo!